Salut à tous, c'est Azarath. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Lethal League avec l'ami Killer Surprise. Découverte pour lui, enfin, on y a joué un peu. Voilà, c'est vachement marrant. On en fera peut-être d'autres avec les autres copains de la GFF parce qu'ils ont le jeu aussi. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Lundi, mardi, mercredi, vas-y, parle. Super, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et ta gueule. Voilà. Ah ouais, c'est parti. Et puis... Ouais. Donc voilà, on se retrouve sur Lethal League. Bonjour quand même, merde. J'ai déjà fait... Tu sais que t'as fait mon intro avant ? Mon intro ouais, avant. Ouais, ouais, ouais. Alors ça va. Ouais, j'ai fait mon intro avant. T'avais qu'à faire pareil. Qui m'a fait tourner une... C'est qui le mec qui m'a fait tourner une vidéo pendant 18 minutes 34 et qui n'a pas allumé son micro ? Ça va, ça arrive, des erreurs. Oui, donc ouais, ça fait ouais. Deux fois qu'on tourne la vidéo parce que, comme un connard, j'avais oublié d'allumer mon micro. Et cette fois, voilà, c'est bon. Mais bon, c'est le patron, on peut rien dire. Vous voyez, c'est la dictature, on ne peut rien dire. Dictature ! Ouais, je vais t'inviter. Oh, ouais, 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 bah quand même, le patron, quand même, c'est le patron qui invite, de merde. Alors, Lethal League, qu'est-ce que c'est ? Bah, un petit jeu. Je sais pas si c'est un petit jeu indépendant. Je sais pas si. 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 Donc en gros vous avez quelques personnages donc voilà donc son nombre incroyable de 6, il n'y en a pas beaucoup. Non bah c'est peut-être le seul point négatif pour moi que je pourrais faire au jeu. En gros vous choisissez un personnage qui va avoir un pouvoir différent en fonction et votre but est de péter la gueule à l'adversaire en lui envoyant une balle de baseball dans la tronche. C'est ça. Donc, plus vous allez taper dans la balle, et plus la balle va aller vite, pouvant, ça peut atteindre des trucs assez fous. Bon, cette fois, je me concentre, parce que dans la vidéo où j'ai oublié d'allumer mon micro comme un godio, bah j'ai perdu, je me suis fait rétamer. Ouais, bon, c'est bon. Donc là, cette fois, ça va chier, t'entends ? Ça va chier. Donc, en gros, voilà, vous avez compris le principe, donc vous avez un perso, et puis... vous devez taper dans la balle. Voilà, bon, vous devez faire absolument pas ce que je viens de faire. Mais voilà. Ah, merde. Ah. Et en gros, oh. Plus vous allez taper dans la balle, plus la balle va aller vite et plus ça va être puissant. Plus, en fait, vous allez pouvoir créer des trous noirs... interdimensionnel dans votre slip et tout, enfin voilà quoi, c'est assez dingue. Et franchement, c'est un concept tout bête, mais super addictif. Donc... Oh! Oh! Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Je vais donc encore en fait avec des fonds. Potes, vous pouvez vous réunir, avoir des parties de folie avec ce jeu. Ah. Oh putain. Oh oui. Oh putain. Non. Oh, oh, oh c'était bon ça. Oh comment c'était trop bon. Oh merci d'avoir oublié d'allumer ton micro, c'est tellement bon. Merci patron. Ah mais viens là, saloperie de balle. Mais si là. Non. Oh. Voilà, donc vous avez compris le principe du jeu, qui est tout bête. Qui est tout bête, donc vous avez des levels, et quand vous passez des levels, bah, vous gagnez des couleurs, pour des skins pour votre pour les personnages, etc. Donc bah, je peux essayer lui, alors lui je sais pas trop comment... Alors là, j'ai essayé Raptor, je crois. Lui, c'est Dice. Alors, c'est un joueur de ping-pong. Ping-pong. Voilà, il ping avec le pong. Enfin, vous allez voir. Et le principe reste le même. Le principe est tout bête, mais vraiment addictif, vraiment sympa. Et vous pouvez jouer jusqu'à 4. Alors, imaginez ça, mais avec 4 personnages. Bah, qu'est-ce que t'as fait ? Oh mais non! Putain!
J'ai l'impression que la balle elle me suit. Mais, mais je grimpe au mur, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah. Ah oui, avec son skateboard, pas mal. Quoi. Putain de chiottes, oh là. Je vais encore me prendre une branlée, quoi. Je suis vraiment une bite à ce jeu-là. Tiens. Ah non, mais en plus, j'ai fait 3-4 parties avec Aza, il m'a défoncé, quoi. Ouais, mais tu t'avais pas encore totalement le jeu en main, aussi. Ah non, 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 bah... Donc voilà, le principe. Oh. Ah voilà, ah voilà. Ça y est, il va se mettre à tricher. J'ai même pas le temps de commencer, ça y est, quoi. Mais si ! Non ! Ah. Mais non ! Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Ah mais non, mais pourquoi il saute dessus ? Oh ! Oh non, mais là, là tu peux rien faire, là, là c'est une horreur. En vitesse, je crois qu'on avait déjà atteint 1 million avec Yann. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Mais après, c'est n'importe quoi. C'est... Tu vois même plus la balle. Ah bah là, c'est... déjà la... Oh, oh, balle de match. C'est chaud. Non, putain, mais... Ah voilà. C'est pas grave. J'ai pas encore essayé les autres. Alors, je peux essayer le crocodile. Allez, on va essayer le crocodile. Enfin, je sais même pas si c'est un crocodile, mais ça y ressemble en tout cas. Ouais, 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 ça a l'air d'être un crocodile. On va aller, je vais tous les essayer. Un crocodile. Et puis voilà, donc un crocodile. Donc petite vidéo fun, sympa, pas de prise de tête, pas de... Pas de wall again, tout ça, enfin voilà. Quoi. On déstresse de tous ces jeux qu'on fait à la con, hein. voilà. Entre Seven Day, Rust et tout, enfin vous voyez, c'est un stress. Hein. Le machin. C'est... Oh putain, le crocodile, il est bizarre le crocodile là. La crocodile là. Ah merde, j'ai cru que t'étais mort. Tu vas y arriver ou quoi? Ah bah ouais, j'ai du mal avec lui. Il est trop imposant pour moi en fait. Ah non. Oh, oh la vache. En plein dans la tête. Ah, j'y arrive pas avec lui hein. Ouais non, j'y arrive pas avec lui. Ah merde. Putain, j'étais pas attentif. Ouah la vache, mais j'ai l'impression qu'il a un temps de latence lui pour taper, c'est une horreur quoi. Ah ouais, putain, la vache, le temps de latence. Oh putain, c'est une horreur, quoi. Merde. Ouais, il est un peu... Il est un peu lent à réagir, celui-là. Ouais, non, il est trop lent, quoi, c'est une horreur. Wouah. Mais en fait, il... Oh, ah ouais, non, le mais il y a bien une demi-seconde... Il y a bien une demi-seconde qui se passe avant de taper, quoi. Ah ouais, c'est... Il est moche, celui-là. Ouais. La gonzesse, je l'ai pas fait. Le robot non plus. Mais j'aime bien celui-là.
J'aime bien Raptor. Raptor et puis le Dice. Voilà, alors lui, il prend... machin, là, Candyman. Son machin, regardez comment il court, quoi. Et après, vous voulez qu'on se concentre à jouer, quoi. Oh ! Ah, mais merde ! Voilà, alors ça, c'est... voilà, la balle qui traverse les murs, c'est génial. Oh, merde. Laissez-y. Oh la vache, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais 32, c'est quoi? C'est 32 km/h? Je sais pas, je crois. Oh la vache! 68, ouais, je sais pas. Oh la vache! Regardez ça! Mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire là? Mais non, mais... C'est n'importe quoi! Ah non, mais là on peut rien faire quoi! C'est une horreur absolue! Mais... Aïe! Oh non, mais tu peux rien faire avec ton machin! Sans déconner! Ah mais... Oh! Non! Oh oui! Oh, c'était beau ça! Donc vous voyez le genre de truc, et je crois que c'est pas fini après. Hein. Y a... Ah non, c'est. Il y a encore et encore et encore, c'est horrible. Quoi. On avait dépassé le million, je crois. Avec. Faut le genre de. Bah ouais, non, mais je pense que ça. C'est. Bah, c'est surtout quand t'es à 4, des fois t'atteins des vitesses, laisse tomber quoi. Ah t'as... ouais, non, mais à 4, j'imagine pas quoi. Ça doit être une horreur absolue quoi. Ah, ah, j'ai débloqué Raptor pour moi. J'ai développé Raptor, ouais, rose, blanc, machin. Un raz. Attends, je l'ai débloqué comme ça. C'est comment j'ai débloqué? Moi, je sais même plus. Je crois comme ça, je crois. Ah ouais, pas mal, stylé. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Ah bah, deux Raptors. Allez hop, c'est parti, mon kiki. On y va. Donc... Peut-être le point négatif qu'il pourra avoir, c'est que ça peut être répétitif, oui, bon, ça... Mais bon, après, c'est le jeu qui est comme ça. C'est après, c'est jeu, peut-être le nombre de persos et les environnements. Mais bon, après... C'est un petit jeu auquel tu joues de temps en temps, quoi, quand tes potes sont là ou des trucs comme ça. Tu joues un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, bah c'est... Fais des petites parties. Ouais, ça fait un... Mais c'est bien addictif. Ouais. Oh! Oh la vache! C'est bien addictif. Oh putain! Et ma balle! Oh la vache! Putain, c'est une horreur, c'est une horreur absolue ce machin. Oh putain, d'accord. C'est
tout cas, le jeu, il est conseillé d'y jouer à la manette. Parce que c'est vrai qu'à la manette, ça passe beaucoup mieux qu'au clavier. Clavier, c'est hyper chiant. Au clavier, ça doit être assez, c'est assez relou, je pense. Au clavier, ça doit être... ouais. Si tu joues avec ZQSD, machin et tout, oh là, ça doit être... Oh, bah alors! Pourquoi il a pas tapé, ce brut? Bah, je sais pas, il a pas tapé. Oh! Oh! Il s'est pris en pleine gueule! Oh merde! Oh putain! Tiens. Ah mais merde! Mais ça passe pas quand on fait B, c'est chiant quoi. J'essaye de ralentir la boule et tout mais... Ah ma dernière vie. Ça veut pas. Non mais chiotte de con Oh non! Je suis pas d'accord là. La vie qui a été gâchée quoi. La vie qui a été gâchée quand même. Bon allez une dernière. Allez une petite dernière, je vais prendre... Bah le robot, je sais pas trop ce qu'il donne. Allez. Ouais, comme ça, allez. Hop, c'est parti. Donc, un jeu très fun, très marrant, bon. À conseiller si vous connaissez du monde. Si vous pouvez jouer sur Internet, aussi, parce que sinon... Bah déjà, si vous avez pas Internet, le truc, c'est que vous pouvez pas déjà télécharger le jeu. Donc bon, déjà, c'est la loose. Mais... Après, si vous jouez vraiment que solo, ça va être très chiant, je pense. Ouais. Oh! Ça va être très chiant, donc il faut mieux y jouer avec des amis. Ou alors vous y jouer en multi, random comme ça, random comme ça, directement, et vous pouvez jouer jusqu'à 4, alors bon. Oh, le revers dans tes pattes. Donc voilà, un petit jeu sans prétention. Oh, un petit jeu sans prétention, mais vraiment, vraiment fun. À jouer, un peu tous les jours si vous voulez. Puis, puis pour des petites vidéos quotidiennes, bah franchement. Oh, bah merde, pourquoi il a pas suivi? J'essayais justement, je me suis dit on va essayer d'aller le plus loin possible dans la vitesse, mais ah bah merde, ah bah non, oh c'est n'importe quoi. Oh mais non, c'est pas possible. La petite esquive de derrière les fagots. Ah mais non, mais arrête aussi. Le mec, regardez comment il joue, quoi. Merde, j'étais pas concentré. Le mec, c'est le patron, ça y est, quoi. Merde. Mais pourquoi? Mais non. Sérieux. Allô. Bah, je sais pas. Oh mais non! Voilà, alors lui il est un peu chiant parce que lui il a des balles qui traversent les murs, alors c'est un peu chié son machin. Mais voilà, un petit jeu bien fun, bien sympa. C'était Lethal League. Et ouais, c'est plutôt sympa entre potes, ouais. Surtout entre potes, ouais, franchement. Solo, ouais. Non, cherchez ouais, pas. Surtout entre potes, il y a de bonnes barres. Sauf si vous jouez avec des personnes comme Azarath qui sont vite énervées, qui commencent à prendre des personnages un peu pétés, avec des balles qui traversent les murs. Ah ouais, ça va, hein, yo. Ça peut voir ce qu'il n'avait pas envie de faire. Donc vous voyez un peu la réaction du bonhomme. C'est la réaction du château. La réaction du patron de la Gaming for Fun. Voilà, bon, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Non, blague à part, ouais, un jeu bien marrant qui m'a fait découvrir. Je me suis dit, oh allez, j'achète, et puis...
Et puis je vois ce que ça donne, et franchement, bien, 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 bien sympa. À refaire, à faire des vidéos ensemble, et pourquoi pas avec Yann Alain, ça pourrait être bien fun, je pense. Ouais. Ça pourrait être bien fun. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu, et voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et puis à vous abonner. Pour la suite, il y aura peut-être du projet Android. À partager, tout ça. Ouais, on espère vraiment, on va... Ouais, pour la suite, ouais, ça sera vraiment sympa. Et puis, bah, moi, comme d'habitude, YouTuber like, du Fallout, tout ça, enfin, voilà, tout ça. Et puis, bah, pourquoi pas, bah, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type, un petit peu plus détente, avec, en solo ou accompagné d'Azara, de Yann Alain ou d'autres personnes, de Lethal League, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être sympa. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, pour faire connaître, pour agrandir le... la gaming for fun, pour agrandir le fun, pour agrandir la communauté. Ça serait vraiment sympa, ça serait vraiment cool. Et ouais, et puis l'autre qui se marre comme une baleine, on sait pas pourquoi, mais bon, hein, c'est Azarat, c'est... Voilà, c'est... Ah, de toute façon, il lui faut un rien pour rigoler à monsieur Azarat, c'est... Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pour agrandir le fun de la gaming for fun, et voilà, il est heureux. Et il est bien dans son slip. Et ben ma foi, écoutez, c'est comme ça. Bon allez. allez, c'est tout hein. Ouais, c'est tout, comme dirait le patron. Bon, je vais manger, c'est tout. Bon allez, bisous tout le monde. Ça veut dire pour arrêter de me casser les couilles, c'est tout. Bon, allez, et à la prochaine sur ma chaîne et sur celle de Killer. Et bientôt ça va être. Bon, abonnez-vous, hein, abonnez-vous, mettez des pouces, c'est tout.